C'est un petit mot pour vous dire que c'est une journée de souvenir. 264 ans qu'on a quitté nos terres de l'Acadie et 252 ans qu'on est arrivé ici en Nouvelle-Acadie. Je veux souhaiter à tous de trouver leur Nouvelle-Acadie ici. Aujourd'hui, on va vous faire cette recette-ci qui est le fricot acadien. C'est notre mets national en Acadie. On mange ça partout, tout le temps, dans toutes les régions acadiennes, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard ou aux îles de la Madeleine. C'est vraiment le mets de vos ancêtres. On est arrivé en Acadie entre 1604 et 1608. En Nouvelle-Écosse, c'était l'Acadie, c'était notre pays ça avant. Le fricot se mangeait en Poitou-Charentes. Dans les années 1500. C'est un très, très vieux mets. Et qu'est-ce que ça veut dire, fricot? C'est un mot de la langue poitevine, parce que nous, on parlait un dialecte. Et fricot, ça veut dire festin. Parce que quand on faisait un fricot, c'est qu'on invitait des gens. Les Acadiens, c'est du monde qui aime beaucoup inviter, qui aime beaucoup les soupers de gang, les soupers de groupe. Les Acadiens mangeaient pas de patates avant, quand ils sont arrivés en Acadie, parce que les Français mangeaient pas de patates. Les Français donnaient les patates aux animaux parce qu'on pensait que la patate, ça donnait la tuberculose, ça rendait malade. Mais les Acadiens ont commencé à faire du commerce avec Boston. Et c'est là qu'on a vu que les gens de Boston mangeaient des patates. Fait qu'on s'est dit, ah ben ça, ils sont pas morts, ça doit pas tuer. Fait qu'on s'est mis à commencer à manger des patates. Et on a incorporé la patate au fricot. Et d'ailleurs, on l'a incorporé partout parce que les Acadiens, c'est probablement les plus gros mangeurs de patates qu'on a au monde maintenant. Parce qu'il y a des patates partout, on en met dans tous les plats. Comme beaucoup de plats acadiens, c'est tout cuit dans le même plat.
parce que c'était plus simple pour eux. Bergère, en gardant ton troupeau, tu seras glacière et maîtresse au château. Je te ferai la brume de mon cœur et ma foi, même ma fortune, tout sera pour toi. Même ma fortune, tout sera pour toi. J'ai 17 ans d'âge, vous le savez, Seigneur. Sœur, ne perds pas son honneur. Dans notre village, un jeune galant, j'ai promis pour gage mon cœur et ma main. J'ai promis pour gage mon cœur et ma main. Oh, mais galanti qui t'aime, serait-il trompé d'un amour extrême et moi qui veux t'aimer? Belle pastourelle, que vos yeux sont charmants, je voudrais la belle être séduisante. Je voudrais la belle être séduisante. Votre doux langage me paraît flatteur, je vous crois d'usage et un peu séducteur. J'avais une belle veste noire cousue d'un fil blanc, veste noire cousue d'un fil blanc, que je semblais de temps en temps à André Marchand, des jeunes gens, que je pensais de temps en temps à André Marchand, brûlant d'amour. Le pauvre Yo-Fi.
maison, il s'en alla. À la maison, il s'en alla. À la maison, il s'en alla. À la maison, il s'en alla. Il trouva sa porte barrée. On va donc s'en passe pour ça. Il trouva sa porte barrée. À la fenêtre, il y entra. 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 Le commissaire lui a répondu. Le commissaire lui a répondu. Les affaires de coupe, ça ne regarde pas. 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 Les affaires de coupe, ça ne regarde plus. Les affaires de coupe, ça ne regarde pas. Les affaires de coupe, ça ne regarde plus. Oh, excusez-moi.